Bonjour à tous, nous sommes l'équipe du projet Terraform. Pour ce film, l'idée était de montrer la transformation de la planète Mars en un monde similaire à la Terre. L'humanité a déjà démontré qu'elle peut influer sur le cours de son environnement, et donc pourquoi pas sur celui d'un monde extérieur. Nous voulions que la narration s'appuie sur un conte auquel plus personne ne croit. D'un point de vue technique, nous avons dû mettre l'accent sur les intégrations 3D et les environnements. Le tournage s'est déroulé sur 3 jours pour les plans extérieurs. Pour la séquence d'arrivée des sondes, le challenge était de trouver un lieu se rapprochant visuellement des déserts martiens. Nous avons profité de la présence des roches rouges dans la région pour filmer nos premiers plans. Pour cette séquence, il nous a fallu trouver une carrière suffisamment grande. Les 4 plans ont nécessité une bonne organisation, car nous avions très peu de temps pour les filmer. Pour le plan de fin, le but était de raccorder un plan grue à un timelapse. Nous n'avions pas le droit à l'erreur, et tous les paramètres caméra et météorologiques ont dû être pris en compte. Pour les plans dans la chambre, nous voulions quelque chose qui soit à la fois intemporel et mystérieux. Enfin, des tournages additionnels ont été nécessaires pour filmer les stock shots, ainsi que des personnes sur fond vert. Lors de la phase de pré-prod, nous avons choisi une histoire qui nous permettrait de mettre en avant nos connaissances apprises à Artefix. Une fois le storyboard effectué, nous nous sommes répartis les concepts et les modélisations. Pour des raisons d'efficacité, nous avons tous effectué des tâches de modeling, UV, texturing et shading. Cela nous a permis de terminer plus rapidement tous les éléments CG, de manière à enclencher au plus vite le travail par plan. Pour réaliser les différents environnements du film, nous avons opté pour une solution 3D. Les terrains ont été générés dans World Machine, puis texturés, lightés et rendus dans Vue. Avoir des environnements 3D nous a permis une meilleure cohérence entre les plans, plus de souplesse et un workflow efficace entre Vue, Maya et Nuke. Puisque nous sommes 4 dans l'équipe à faire du compositing, nous nous sommes répartis les plans de manière à ce que chacun rencontre des challenges variés. Ainsi, nous avons tous fait des plans pour chaque séquence. Pour chaque plan, la même personne s'est chargée du tracking, du layout et du compositing. Le compositing a été une étape essentielle sur le projet. Nous avons donc dû gérer des extensions de décors et du restore en plus des intégrations. Le projet impliquait un grand nombre de plans avec intégration, c'est pourquoi nous avons opté pour le workflow HDRI. Nous avons effectué des prises de vue HDR sur chaque lieu de tournage, de manière à reproduire les différentes intentions de lighting dans Maya. Pour certains plans, les HDR ont été générés directement à partir des environnements 3D. Au niveau du workflow de rendu, nous avons choisi de sortir un grand nombre de passes pour avoir un maximum de contrôle au compositing. Je me suis occupé de la plupart des environnements du film. Ceux-ci ont été générés en 3D, puis rendu dans le logiciel Vue. Pour optimiser les temps de calcul, j'ai eu recours à du camera mapping sur certains plans. J'ai ensuite mis en place le workflow de compositing sous Nuke, de manière à ce que nous puissions utiliser efficacement les passes sorties de Maya. Enfin, je me suis chargé du lighting, rendering et compositing d'un certain nombre de plans. Durant toute la phase de compositing, nous avons été confrontés à des problématiques différentes car chaque cas était spécifique. Le projet m'a également amené à effectuer toutes les étapes de fabrication, de la modélisation au lighting. Ces compétences m'ont permis d'acquérir une plus grande liberté dans mon travail de compositing. Ce plan présentait plusieurs défis. Il s'agissait d'intégrer la 3D, mais également de reproduire son impact sur l'environnement réel. J'ai donc établi un layout très précis de la scène et modélisé le cratère occasionné par le choc. J'ai ensuite composité tous les éléments sur Nuke en tenant compte d'une lumière dynamique. J'ai effectué du tracking ainsi que du layout.
J'ai également effectué des restores sur certains plans, car il fallait enlever la végétation présente dans ceux-ci. Ensuite, je me suis occupé de différentes intégrations. Il fallait que la lumière et les éléments du décor soient cohérents à travers les différents plans. Enfin, j'ai effectué une partie des fluides, comme par exemple les réacteurs des vaisseaux. J'ai travaillé sur le projet en tant que compositing artist. J'ai également pris part à chaque étape de la production, ce qui m'a permis de me familiariser avec les difficultés rencontrées au cours du workflow et d'avoir plus de flexibilité au compositing. Par exemple, dans ce plan, j'ai réalisé une partie des effets en 2D, une autre en particules, les flammes sont des images filmées, et j'ai fait les parachutes en enclosed. Sur le projet Terraform, je me suis principalement occupé de la partie CG. Une des plus grandes difficultés a été d'unifier le workflow entre tous les membres de l'équipe et de faire la passerelle avec les différents étudiants freelance qui sont intervenus sur le projet. J'ai également mis en place le workflow de rendu en parallèle d'Arthur qui s'est occupé de la partie compositing. Enfin, je me suis occupé du lighting et du rendering de la majorité des plans du film.